Bon, ben bonjour au JT Pop numéro je sais plus combien. Et bienvenue à tout le monde pour l'émission exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui on est en plein air, on est en public, et en plus il y a Piken de l'autre côté, donc c'est formidable. Je vais essayer de dire les mots aujourd'hui, bien dans l'ordre. Et aujourd'hui une spéciale pif, donc voilà. Et juste pour embêter, je souhaite un bon anniversaire à Lionel. Voilà. Merci! Voilà, donc voilà, donc vous avez la preuve que nous sommes avec du public. Donc aujourd'hui, spécial pif. Salut Ludo. Ah, là je suis hors champ, je suis formidable. Donc bonjour tout le monde. Bon, donc voilà. Émission un peu particulière et je vais essayer de la faire bien parce que je l'ai un peu préparée. Donc aujourd'hui, l'émission va tourner autour des années pif. Et là, ça y est, le drame est arrivé, c'est que la photo est tombée. Voilà. Petit problème technique. Donc voilà, mais je vais la garder comme ça, hein, c'est joli. Non, je peux, hein. Non, non, non. Il faut garder l'énergie. Non, il faut montrer ce qu'il y a sur le t-shirt. Voilà, plus il y a le t-shirt, moi là, qui est d'après une faute de français qu'un jour j'ai fait. Voilà. Et voilà, il est là. Bon. Alors, les années pif. Dans les années. L'humanité, le Parti communiste, a toujours voulu faire des publications pour les enfants. Donc, dès 1900, ils ont fait un magazine qui s'appelait Jean-Patrick. Non, Jean-Pierre, pardon. Ça y est, je commence bien, je dis des bêtises. Et ils ont toujours voulu faire des publications à but des enfants. En 1945, ils ont l'autorisation de faire un vrai magazine. Et ce magazine va s'appeler Vaillant parce qu'il y avait un groupe de résistance qui s'appelait Vaillant. Et petit à petit, il y a un personnage qui va prendre de l'ampleur qui s'appelle Pif. Et en 1960, ça va s'appeler Vaillant, le journal de Pif. Et en 1969, le vrai nom, ça sera Pif Gadget. Donc voilà. Donc là, c'est à l'envers, mais comme j'ai pas envie de faire de toucher, vous verrez tout aujourd'hui à l'envers. Et c'est je dis bonjour à Lionel, je dis bonjour à Guilhem, des fidèles. Ben non, ah oui. Et je dis bonjour à Christine. Je sais que l'émission va être compliquée. Hein, elle est bien partie pour ça. Donc les années pif, parce que je veux la faire en plus bien. Donc les années pif, 1969. Le magazine se crée avec des gens qui vont devenir célèbres, mais qui, malheureusement pour Pif, ne vont jamais rester. Donc, au début, on a Gottlieb qui présente son personnage de Guéluron. Hein. Il y aura Mandica avec le concombre masqué. Il y aura, il y aura quand même Pif, hein, qui est quand même le personnage. Alors, attends. Quel était votre gadget préféré? Moi, c'était les Pifis. Me dit Pican. Oui, ben moi, c'était les pois sauteurs. Donc voilà, chacun. J'ai souvenir que des pois sauteurs, faut dire. Donc voilà, il y a eu. Donc dans les années 70, c'était quand même un magazine. Quand ils ont sorti leur gadget, ça sortait 1 million d'exemplaires. Et c'était des super tirages qu'on en trouvera pas. Donc dedans il y avait des personnages tels que, donc je vous ai dit Guéluron, le concombre masqué, il y avait Rahan, il y avait Placide et Museau, le dessinateur de Placide et Museau a disparu il y a pas longtemps, mais il y avait aussi voilà Pif, et c'est devenu un vrai succès de librairie pendant 2-3 ans. Et puis après est arrivé des gens comme Pilote et tout ça, et Fluide Glacial qui a fait que le magazine s'est petit à petit cassé. Et malheureusement, dans les années 2000, Pif Gadget, ça a terminé. Et donc, Pif Gadget est passé par plusieurs étapes où on faisait au début, il y avait une politique, c'était de faire des aventures, mais. À contrario du journal de Tintin ou du journal de Spirou, il faisait toujours des épisodes en entier, c'était jamais des à suivre. Ça faisait partie de la charte. Il y avait des valeurs qu'il fallait respecter, il fallait pas de violence, il fallait éviter un certain érotisme. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnages féminins
dans tout ce qui est personnage de Pete Gadget. Et puis, voilà, donc le magazine, c'était une succession de bandes dessinées, de strips, et il y avait aussi des jeux. Donc voilà. Mon premier voilà de la journée, ça il faut le compter. Donc voilà, deuxième. Mais il y a des gens qui travaillaient souvent dans cette bande dessinée, puis il y avait des gens qui devaient rechercher des personnages qui pouvaient évoluer au terme de Pete Gadget. Et un des personnages les plus emblématiques, parce que bizarrement c'était quelque chose qui était peu compris par les lecteurs, ça a été Corto Maltese. Corto Maltese, voilà, je vous montre. Alors, attendez, la publication est soutenue par les communistes. Est-ce que c'était le cas pour les reprises récentes de la publication ? Guilhem, bien sûr, c'est toujours l'humanité qui est derrière la publication de Pete Gadget. Et ça, comme je disais, les valeurs étaient. Il y avait une vraie charte qu'il fallait ne pas déroger parce qu'il y avait des valeurs dites humanistes, solidaires et tout ça. Donc dans les bandes dessinées de Pete Gadget, il y a Corto Maltese a démarré. Alors, il a démarré avant, bien entendu, le personnage était dans ce qu'on appelle un roman graphique qui s'appelait La Ballade sur la mer Salée, et qui a eu un énorme succès. Et le rédacteur en chef de Pete Gadget s'est dit, tiens, si on travaillait avec Hugo Pratt. Et donc Hugo Pratt voulait faire de Corto Maltese son personnage, son alter ego, son personnage principal. Et donc il a fait plusieurs bandes dessinées assez courtes avec comme personnage principal Corto Maltese. Ce qui a quand même beaucoup au début, disons que le public était peu. Ne s'attendaient pas à ce genre de livre d'aventure. Ils avaient droit à des choses un peu plus classiques. Là, Corto Maltese, ça reste quelque chose où on mélange de l'aventure, de la poésie, de la philosophie, tout ça. Donc ça déroutait pas mal les jeunes lecteurs de Pete Gadget. Mais le rédacteur voulait absolument ce personnage et il a tenu bon. Et donc pendant, je crois, 3 ans, Hugo Pratt a travaillé pour Pete Gadget. Voilà. Alors, Guilhem me pose une question. Il me semble que Christophe Gans voulait faire un film parmi tous ses projets non aboutis. C'est tout à fait vrai. Et ce qui est étonnant, c'est que Christophe Gans a eu 2 adaptations de bande dessinée qu'il voulait faire. C'était Rahan et Corto Maltese. Le problème, c'est que pour Corto Maltese, je crois que le projet a coïncidé avec la mort de Samuel Adida. Et je crois que c'est pour cela que le projet n'est pas allé au bout. Déjà, c'était un projet assez fou, parce que assez cher. Que Adida voulait produire de A à Z en Chine. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut revenir. En tout cas, voilà. Si vous aimez la bande dessinée, Corto Maltese, vraiment, je vous conseille fortement. Alors, merci beaucoup. J'ai un assistant aujourd'hui. Normalement, je fais une émission sans personne. Aujourd'hui, j'ai un assistant qui me donne un verre d'eau. C'est une émission très confort aujourd'hui. Donc, je me permets de boire un verre d'eau. C'est pas de l'eau. C'est de l'eau aussi. Donc, je vous ai dit dans Corto Maltese. Dans Pif, pardon, je dis n'importe quoi. Il y avait des personnages récurrents qui sont venus. Et puis, comme au milieu des années 70, ça commençait à moins se vendre, ils ont essayé des trucs. Donc, par exemple, de faire une bande dessinée de pirates avec comme personnage de prendre un chanteur célèbre pour essayer de vendre le produit. Donc, il y a eu une bande dessinée avec Julien Clerc comme vedette. Ça n'a pas marché, donc ils ont fait 3 ou 4 numéros et puis ils sont passés à autre chose.
Pican me pose une question, c'était du noir et blanc au début. Sur Pif Gadget, Vaillant, les premiers épisodes de Vaillant, oui, c'était en noir et blanc. Mais dans les années 70, ils sont venus de suite à la couleur. En 69, même parce que c'est le premier tirage, c'est 69 de Pif Gadget, c'était en couleur. Vaillant, c'était en noir et blanc. Donc, il y a eu des bandes dessinées donc je disais avec Julien Clerc ou avec même Carlos, le chanteur Carlos en vedette. Et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que peut-être que leur principal, qui rivalisait avec Pif Gadget, c'était la télévision. Et du coup, ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre des personnages de la télévision et les transformer en bande dessinée pour créer des personnages récurrents, pour que les personnages, les gens qui s'étaient mis à regarder de la télévision se mettent à lire de la bande dessinée. Alors, il y a eu Manix, il y a eu Les Mystères de l'Ouest, et puis il y a eu surtout... Il y a eu surtout Amicalement Vôtre, qui a été donc fait en plusieurs épisodes, en bande dessinée, dans les années 75. Merci pour le verre d'eau. Donc, Amicalement Vôtre, série qui n'a marché qu'en France. Il n'y a eu qu'une seule saison, et tout le monde en parle comme s'il y avait eu des tas de saisons, mais il n'y a eu que 24 épisodes. Donc, c'est une série avec Roger Moore et Tony Curtis. Et c'est une série qui avait un gros budget, donc il y avait de la production anglaise, française et espagnole. Bon, j'ai plus besoin. Non, c'est bon. Je vire de manière malpropre mon... Voilà. Je sais, aujourd'hui, la mission est un peu décousue, je m'en excuse, mais bon, il y a eu un verre de rosé, un verre de vin blanc qui sont passés par là. Donc, Amicalement Vôtre, série phare des années 70, qui est toujours diffusée, je crois, sur une chaîne comme Paris Première. C'est une série culte, et c'est une série qui, en plus, est connue pour sa VF et non sans VO, parce que la VO est assez différente, et les doubleurs se sont beaucoup amusés, ce qui a fait le succès de la série. Voilà, donc maintenant j'ai du latin sur mon truc, c'est bizarre. Et bon, voilà. Et donc la série a marché, mais pas en bande dessinée. Donc ils ont fait une dizaine d'épisodes sur Pif Gadget. Et voilà, ils n'ont pas renouvelé parce que les gens préféraient voir l'original à la copie. Et en fait, Pif Gadget s'est arrêté dans les années 2000. Et ça fait plusieurs années qu'ils essayent maintenant, alors soit de faire des numéros spéciaux, soit des numéros, soit de relancer la franchise, mais ça a toujours du mal. Et il existe. Pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est parce qu'en fait, j'ai lu ça. Donc ça, c'est un livre sur toutes les années Pif Gadget qui vous raconte l'aventure de A à Z de... j'allais dire, de cette saga. Franchement, c'est écrit par Christophe Killiam. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout agiographique. Il parle de certaines bandes dessinées qu'il aime pas du tout et il a le courage de le dire. Et puis bon, ce qu'il aime, il aime. Donc, et là, j'ai de l'eau, là. Merci, donc je veux pas mélanger l'eau et le vin blanc. Et c'est en direct, hein, je vois là. Donc, je vais finir à coup de vin blanc. Voilà, là j'ai mes assistants qui arrivent et j'aimerais que mes assistants viennent avec leurs t-shirts. Et j'aimerais que vous voyez les t-shirts qu'ils ont fait à propos du JT Pop. Donc j'attends l'équipe des trois oseaux. Voilà. Restez là, je vais. Tournez-vous. Vous allez voir un effet spécial formidable. Tournez-vous. Ah. Attention. Allez-y. Montrez votre t-shirt. C'est pas super bien cadré, mais bon. Alors celui de Lionel, il se voit bien. Je suis pas sûr qu'on voit bien de celui de... Voilà. Prenez la place, voilà, parfait. Tu peux t'enlever. Et Guilhem, montre-moi le tien. Voilà. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est que
que quelqu'un maintenant me fasse partir le générique. Allez, la technique va plus là, ça déconne. Hein. Franchement, je suis déçu. Hein. Donc, c'est les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous. Il y a quelqu'un qui me dit bonjour d'Argenteuil, donc c'est bien. J'attends le générique de fin pour vous dire au revoir. Voilà. Passez une bonne après-midi, bon apéro. Moi, c'est déjà commencé. Je suis désolé pour l'émission, mais c'était comme ça. C'est bon, ça doit être une catastrophe.